Que j'avais acheté au Dollarama en bois, puis je l'ai recouverte de d'écorce de bouleau. Alors, les graines descendent ici dans le bas, puis avec de l'écorce de bouleau par-dessus, mais ça donne un aspect différent. Je pense que je l'avais payé environ 2 $. C'est facile à remplir, puis c'est assez résistant. Ensuite, il y avait ces deux petites mangeoires-là aussi, que j'avais achetées au Dollarama. En céramique. Les petites mésanges, je les aime parce que c'est facile de prendre les graines à l'intérieur. Alors, il y en a une avec une petite tortue sur le dessus, puis l'autre avec une petite grenouille. Alors, c'est très résistant aussi. Les graines restent assez propres à l'intérieur. Puis, l'autre que j'ai acheté au Dollarama, c'est un genre de petit silo, un mini silo. C'est facile d'entretien, le couvercle se dévisse et puis il y a juste 2 petites tiges pour les plus petits oiseaux. Ça fait très bien aussi, puis c'est assez résistant, c'est en plastique. Avec la poignée, tout se dévisse, ça se démanche au complet pour le nettoyage. Je pense que je l'avais payé 1,25 $ genre, ou 2 $ maximum. Et puis, il y avait ça que j'ai acheté aussi au Dollarama, puis je mets des pinottes dedans, des graines de tournesol. C'est comme en céramique, un plat comme un escargot. Alors, des fois, ça dépend, ces choses-là. Voilà. Création Martine Cello vous remercie pour ces quelques moments passés avec nous. À bientôt!
Thank you.